très satisfait, bien sûr, de la victoire qui était impérative, mais surtout de l'attitude de mes joueurs, du comportement de mon équipe. On a modifié notre comportement et on a joint les paroles aux actes ou les actes aux paroles. On s'était dit qu'il fallait en mettre plus dans l'intensité, dans le combat, dans l'engagement à l'extérieur. Et véritablement, notre première mi-temps a été pleine d'intensité, d'envie de défendre en avançant, de pressing haut. On a un petit peu vraiment posé des problèmes à cet adversaire. Et malgré le coup dur de la 11e minute et du but concédé, l'équipe a montré qu'elle avait du mental. Elle a senti qu'elle était dans un bon jour et très logiquement, on a pris l'avantage. Donc, on marque 4 buts à l'extérieur, c'est quand même pas rien. Et comme par hasard, c'est le jour où on est beaucoup plus agressif, beaucoup plus costaud. Donc, on va bien retenir, c'est un peu notre match référence à l'extérieur depuis un bon moment. Et ça, c'est très intéressant avant ce sprint final. J'ai le sentiment qu'on a vraiment imposé notre jeu, hein, notamment dans cette première heure. On a un petit peu baissé de pied, notamment avec les 3 entrants Bressan qui ont amené du jus, de la qualité, notamment Del Castillo et Mergi. Mais voilà, on a été sérieux jusqu'au bout. On est capable de marquer en début de deuxième mi-temps ce 4e but qui quasiment scelle le sort du match. Donc non, très très satisfait, très fier de mes joueurs ce soir. Je ne voulais pas qu'on tombe, quand on parle de mon équipe, dans la caricature d'une équipe qui craint les duels, l'intensité. Donc ce soir, ils ont eu une vraie réaction d'orgueil et ils ont montré qu'on était capable d'être présent aussi dans le combat. Bon, on est là, on lâche pas. On n'est pas encore les mieux placés, loin de là. On sait que dans 15 jours, on reçoit Orléans. À domicile, on est performant. On a envie d'enchaîner sur une deuxième victoire consécutive parce qu'on est à la recherche d'une série, on le sait. Et si nous étions capables de faire la série dans le sprint final, ça pourrait avoir de jolies conséquences, en tout cas compte tenu des 2 derniers matchs à domicile lors du dernier mois. Une série là, dans les 3 semaines qui viendraient nous mettra en position pour jouer des matchs très intéressants. Mais là, on va récupérer dans cette trêve internationale. On va se retrouver, on va passer 5 jours ensemble en stage. On va retravailler sur la cohésion, sur l'esprit, sur les valeurs de ce groupe et sur les valeurs qu'il nous faudra défendre lors de ces 8 dernières journées pour pouvoir continuer à rêver.